Il était une fois un homme qui vécut autrefois au pays de Galles et qui était occupé par une idée fixe. Cet homme aimait les gens et il avait envie de les rendre heureux. Il voulait changer le monde. Et longtemps, il se posa la question de savoir comment. Comment rendre les gens heureux? Comment changer le monde? Et comme il se posait cette question, un jour lui vint une histoire. Une belle histoire. Si belle que lui vint l'envie de la raconter. Il se dit, mais si j'avais d'autres histoires comme ça, je suis sûr qu'avec elles, je rendrais les gens heureux. Et les jours suivants, lui vint d'autres histoires. Aussi belles. Jusqu'au jour où il se dit, je vais me mettre sur la place, là, du village, je vais grimper sur un banc, et je vais raconter ces histoires aux gens. Et je vais les rendre heureux. Elles sont si belles qu'ils seront heureux de les entendre. Et il fit ainsi. Il s'enfuit sur la place du village, il grimpa sur un banc, et il se mit à raconter ses histoires. Et des gens s'assemblèrent autour de lui pour l'écouter. Quelques-uns. Des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens aussi. Ils l'écoutaient, puis ils s'en retournèrent à leurs affaires. On ne peut pas dire que ce fut un succès, non. Mais cet homme se dit qu'il fallait insister. Et le lendemain, il revint à nouveau sur la même place et sur le même banc, il grimpa, et il continua de raconter ses histoires. Des histoires pour rendre les gens heureux. Et moins de gens que la veille s'arrêtèrent pour l'écouter. Quelques enfants, quelques chiens, qui s'enfuirent rapidement à leurs affaires. Un troisième jour il revint. Et un quatrième, et un cinquième, et le cinquième jour, plus personne ne s'arrêta pour l'écouter. Les gens avaient pris l'habitude de le voir là, et ils disaient, « Bah, c'est l'homme qui parle tout seul. » Il continua pourtant de raconter. Non pas 5 jours, non pas 10 jours, mais 5 ans, 10 ans, tous les jours. Il venait là, sur la place du village, et il racontait des histoires pour les nuages, pour le vent, pour les arbres, car plus personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Et il fit ainsi, jusqu'au jour où... Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben... Tu vois, je raconte des histoires. Bah, pourquoi tu racontes des histoires? Tu vois bien que personne ne t'écoute. C'est vrai, personne ne m'écoute. Bah, pourquoi tu... Bah, parce que j'avais l'ambition de rendre les gens heureux. Je voulais changer le monde. Bah, tu vois bien que le monde n'a pas changé, alors pourquoi tu continues? C'est vrai, le monde n'a pas changé. Autrefois, oui. Je racontais des histoires pour changer le monde. Aujourd'hui, si je continue, et si je continuerai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. Demoiselle, ne vous troublez pas. Nous sommes la justice et par conséquent, nous sommes justes. Nous vous demandons simplement de nous dire, comme à des parents, ce qui vous est arrivé. Comment êtes-vous venu à cette situation? Qui en est responsable? Car si vous persistez à ne rien dire, comment pourrons-nous vous aider? Mais cette jeune fille, enfin cette dame, est mineure, il me semble. Où sont ses parents? Comment vous ne savez pas? Vous n'avez pas consulté le dossier? Je n'ai pas consulté le dossier. Alors vous ne connaissez pas l'histoire. Je vais rappeler les faits. Demoiselle, vous êtes née voici 17 ans d'une famille honorable et prospère de souche gallo-normande et vous avez grandi dans votre village parmi nous entourée de l'affection de votre père, de votre mère, de votre frère et de vos 2 sœurs aînées. Hélas, un jour, un berger de votre père vint lui annoncer que ses brebis étaient en train de mourir. Oh. Après les brebis, ce furent les pommes qui se mirent à pourrir, les vaches qui se mirent à maigrir, et votre frère fut trouvé étranglé un beau matin. Disons plutôt un terrible matin. Alors votre mère se pendit, votre père se coucha et mourut. Nous pensions que là, ça aurait fait enfin les vicissitudes d'une famille honorable qui avait été prospère. Hélas, votre sœur aînée se mit à fréquenter et elle dut subir les rigueurs de la loi.
il ne restait plus que votre autre sœur, sur laquelle je préfère me taire, et vous-même. Et nous nous disions tous, enfin, celle-là échappera à la fatalité. Mais c'est une histoire navrante, pauvre enfant. Vous ne voudriez pas, demoiselle, ajouter au malheur de votre famille en refusant d'épouser le responsable de l'état où vous vous trouvez. Allons à l'effort. Qui est-il? Allons, mon petit, serait-ce que tellement vous l'ont fait que vous ne savez pas lequel? Je n'ai connu aucun homme. Comment? Que voulez-vous dire? Aucun homme ne m'a fait ce qu'il faut pour que j'aie un enfant. Mais alors comment expliquez-vous? Demoiselle, vous me mettez dans une situation très difficile. Vous n'ignorez pas quelle est la loi, vous n'ignorez pas ce qui est arrivé à votre sœur. Comment la sœur aussi? Oh, la pauvre famille! La loi dit, si le mariage n'est pas possible et si la jeune personne embrossée ne l'a pas été par tous, elle sera brûlée vive. Vous n'avez pas été embrossée par tous? Je n'ai été embrossée par aucun. Je le jure par Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons plus guère. Si nous demandions au Père Blaise... Mon cher père, vous qui êtes son professeur, vous connaissez peut-être la raison de son attitude incompréhensible. Car si elle s'obstine, nous ne pourrons plus rien. Cette affaire est étrange. Je ne peux pas tout vous dire car je suis tenu par le secret de la confession. Mais je peux vous donner un conseil. Quelle que soit votre décision, ne faites rien avant la naissance de l'enfant, avant même que l'enfant soit sevré. Si nous attendons jusque-là, qui sait? Nous y verrons peut-être un peu plus clair. Mais où va-t-on la mettre jusque-là? Quand on brûle tout de suite, on évite des frais et du tracas. Mais laissez-moi m'en occuper. Je vais confier cette jeune personne à deux femmes sûres de mon entourage. Deux veuves pieuses. Elles la garderont dans une maison que j'ai dans la grande rue. Elles s'occuperont de la mère et de l'enfant jusqu'au moment où vous déciderez le procès. Pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient. C'est un peu irrégulier, mais enfin, vu les valeurs de cette famille. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Passons à l'interrogatoire de la fille Merlin.
Demoiselle, je vous pose pour la toute dernière fois la question que nous avons tant de fois posée. Qui est le père de votre enfant? Et si vous vous êtes abandonné à plusieurs, êtes-vous prête à continuer dans ce commerce afin d'éviter les rigueurs de la loi? De trois choses l'une. Ou votre séducteur vous épouse et l'enfant a un père. Ou vous persévérez dans la voie multiple de la débauche et alors nous n'avons rien à dire puisque la prostitution est utile à la société. C'est vrai. Ou nous sommes tenus par la loi de vous faire brûler vive, à la rigueur, enterrée vivante. Tel est le choix. Maintenant, qui est le père de votre enfant? Puis-je poser quelques questions? La porte de votre chambre est-elle restée verrouillée toute la nuit? Oui. Avant de vous coucher, avez-vous fait cette nuit-là le signe de la croix? Non, j'ai oublié. Étiez-vous en colère contre votre sœur au moment de vous endormir? Ça, oui. Avant de vous coucher, vous êtes-vous déshabillé comme d'habitude? Non, j'étais trop en colère. C'est tout. Mesdames ici présentes, n'est-il jamais arrivé à aucune d'entre vous de concevoir un enfant sans compagnie d'homme? Nulle femme ne peut, à notre connaissance, enfanter si elle n'a eu au préalable un assemblement charnel avec un homme. Et n'avez-vous jamais entendu parler d'un cas semblable, mesdames ici présentes? Non, non, jamais, monsieur. Alors la sentence est claire. J'ai une déclaration à faire. Ma mère est innocente et je ne tolérerai pas qu'on l'enterre vive. Je suis moi, Merlin, fils d'un démon incube qui désirait un héritier. La nuit où ma mère fut dépucelée, il se trouvait dans les environs et a bénéficié de circonstances favorables. Mais Dieu, par égard pour la pureté de ma mère, m'a arraché au diable et l'a renvoyé dans les régions basses. Dans ces conditions, je demande à être mort. Je sais mieux qui est mon père que tu sais qui est le tien. Et ta mère sait mieux qui est ton père que la mienne sait qui est le mien. Oh, Lambo, si tu sais quelque chose sur ma mère, dis-le. C'est ce que je sais, tu n'as qu'à lui demander à elle. Allez, la faire chier. Je vous prie de m'excuser, madame, de devoir réveiller ainsi des souvenirs peut-être troublants, mais n'est-il pas exact que monsieur, ici présent, n'est pas le fils de votre époux légitime, mais bien celui de votre confesseur, l'ABC avec lequel vous avez fauté voici 40 ans pour la première fois, et fauté encore, si je ne m'abuse, tous les dimanches? Si tu veux faire enterrer ma mère, faudra faire enterrer la tienne. Quel épouvantable bien. Que faire? Nous ne pouvons tout de même pas acquitter cette jeune fille en déclarant qu'elle a un démon incube pour époux. On ne pourra plus exécuter une seule fille mère dans le pays. Pensez à la jurisprudence. Et que diront vos collègues? Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que l'acquittement. Mais si il y a sentence de mort pour cette sainte jeune femme, ma conscience m'interdira de rester silencieux et madame et l'ABC seront en danger. Alors que proposez-vous? Dans l'intérêt de toutes les parties, je suis prêt à donner une explication théologique et physique de ce phénomène exceptionnel et, rassurez-vous, rarissime. Par ailleurs, je prendrai en charge l'éducation de cet enfant précoce qui souffrait aux influences diaboliques. Mes études me contraignent à quitter la région. J'emmènerai la mère et l'enfant avec moi et cette histoire s'éteindra d'elle-même. Cette solution me semble satisfaisante et à vous? Qu'on rouvre les portes. La parole est au père Blaise qui va expliquer la sentence. Ensuite, le jugement sera prononcé. La malheureuse jeune fille devenue mère, qui se trouve devant vous, mesdames et messieurs, mes bien chers frères... Boogie boogie, pas de boogie boogie. ...est innocente. Elle a été victime d'un dangereux démon incube qui passait par là le soir du 19 juin et avait envie d'une part de satisfaire sa luxure, d'autre part, de concevoir un héritier pour ses futures manipulations. Mais Dieu, qui veille sur toutes choses, et particulièrement sur vous, mesdames et mesdemoiselles, compte tenu de la vie édifiante de cette jeune personne, a décidé de la sauver ainsi que son fils. Tout en conférant à ce dernier, comme vous avez pu le constater, certaines sagesses et qualités précoces qui me permettent de dire « cet enfant ira loin ». C'est pour toutes ces raisons que la justice rendra la sentence que vous entendrez dans un instant. Mais auparavant, je voudrais vous adresser quelques conseils, à vous mesdames et à vous surtout mesdemoiselles. Pour déjouer les pièges des incubes et des succubes qui ne sont pas moins dangereux, je conseille instamment aux jeunes filles de ne jamais s'endormir avec la colère dans le cœur. Car la colère échauffe et la chaleur est visible aux démons. De ne jamais se coucher habillée, ni laisser une lumière allumée toute la nuit.
car les vêtements excitent la curiosité des incubes, mais ils ont peur de l'obscurité. De toujours faire le signe de la croix en entrant dans leur chambre, car le signe de la vraie croix est un rempart infranchissable aux forces d'en dessous. N'oubliez jamais mes paroles, et vivez en paix. La cour prononce l'acquittement de l'accusé. L'enfant Merlin et sa mère sont confiés à Maître Blaise.